le Seigneur a dicté sa loi, mais avec sa foudre et son tonnerre. Et tu ne transgresseras pas cette loi. Non, non, derrière. Ah bon? Il aurait dû le laisser venir avec nous. D'ailleurs, il y a encore de la place. Vous voudriez qu'un nègre s'assoie avec nous? Je croyais que vous aviez fait une guerre civile afin de donner aux Noirs des droits égaux aux vôtres. Vous n'êtes pas américain, sans doute. Non, je suis arrivé depuis très peu de temps d'Europe. L'Europe, quel pays attrayant, pittoresque. Vous connaissez? Non. Bon voyage. Au revoir, messieurs. On part tout de suite. On attendait que vous. Allez, montez, s'il vous plaît. Par ici, pour Grimble. Messieurs-dames, nous partons. Thank you.
chauffeur, Carlos. Allons, allons, restez pas là. Qu'est-ce que vous faites? Retournez à votre travail. Allons. Dépêchons. Monsieur Novak? Oui, monsieur. Je suis James Cooper, directeur des mines. Heureux de vous connaître. Merci, j'en suis heureux également. La société m'a confié des espèces que je dois vous donner. Ah oui, 12 000 dollars pour la paye. Oui, c'est cela. Un instant, je vais chercher la mallette. Qu'y a-t-il, mon cher fils? Mais la mallette n'est plus là. Plus là? Qu'est-ce que vous me racontez? C'est impossible. On l'a volée. C'est ridicule. Qui l'a volée? Bon sang, vous déraisonnez. Comment est-ce qu'on a pu la voler? Une mallette ne disparaît pas comme par enchantement. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé, s'il vous plaît, monsieur Novak? La compagnie vous a confié cet argent, vous en êtes responsable intégralement. Il est inadmissible que quelqu'un vous l'ait volé. Et que dire aux mineurs, maintenant? Répondez, ne restez pas planté là comme un imbécile. Au carrefour de Greumbull, elle était là. Hé, hey, où allez-vous? Monsieur Novak! Monsieur Novak! Qu'est-ce que vous voulez faire? Bonjour. Bonjour. Descends. Je ne suis pas armé. Mais d'où est-ce que tu sors? Tu es tombé de la dernière averse, jeune homme? Je viens d'Europe. Dans ce cas, bienvenue dans l'Ouest. Merci beaucoup. J'ai besoin d'un cheval tout de suite. J'ai pas de chance, le mien est mort. Vous allez de quel côté? En quoi ça te regarde? Je suis en route pour Silvertown, et si c'est aussi votre direction, allons-y tous les deux. Allez, monte. De vivre ici? Eh oui. Tu es sérieux? Très sérieux. Alors tu devrais te débarrasser de ça. Du calme, s'il vous plaît. Il vient d'arriver un très fâcheux contretemps et je m'en excuse au nom de la société. Mais n'ayez aucun souci, je vous assure que vous toucherez votre dû d'ici peu de temps. Nous, on ne peut pas attendre. On veut être payé toutes les semaines. Avec quoi est-ce qu'on va payer l'épicier et le boucher, monsieur Cooper? Vous le savez comme nous, on sue sang et eau dans la mine. On n'est pas une œuvre de bienfaisance. Moi, je vous le dis, pas de paye, pas de travail. Allons, allons, mes amis. Faut pas vous emballer. Vous n'avez donc plus confiance en moi? Allez, retournez au travail. C'est un ordre. Pour donner des ordres, il faut avoir de quoi payer ceux qui ont trimé. Monsieur Cooper n'est pas responsable. Vous devez attendre quelques jours votre paye, c'est ma faute et non la sienne. Ouais, tu ferais mieux de ne pas trop te montrer. Je suis le nouvel ingénieur de la mine. La compagnie vient de m'engager. À présent, nous allons travailler ensemble. Eh bien, j'en suis sûr. La compagnie m'avait confié l'argent de la paye et je me le suis fait voler.
Soyez pas inquiet, je vous le jure. Vous aurez votre argent, j'en prends la responsabilité entière. On n'a pas confiance en toi, Blanbec. Oui, mais ça aurait pu aussi arriver à chacun de vous. Il faut que vous m'aidiez. Je ne connais pas les gens d'ici, ni leurs idées. On ne veut pas avoir d'étrangers chez nous. C'est une grosse erreur que vous faites. Ici, on est tous des mineurs avant tout. Toi, on t'a suffisamment entendu. On ne nourrit pas de belles paroles. On veut notre argent. Et t'arriveras pas à nous endormir, hein? Dors, l'étranger! Ben, c'est peut-être lui qui l'a gardé notre argent. Oh, il y a le groupe pour la voler, et je te conseille de ne pas boiter ici. On ne pas de on veut pas de toi, t'as compris? Et retourne chez toi! Et paye-nous, hein? Allez, notre argent, vite! C'est à l'étranger! Durant toute ma vie, j'ai jamais entendu autant d'imbécilité, j'ai jamais vu autant d'idiots. N'êtes-vous pas tous les fils de gens qui sont venus des pays les plus déshérités du monde, et pourtant aujourd'hui vous êtes tous des Américains. Ce garçon arrive ici, il vient d'avoir un grave ennui et vous le traitez comme un chien. Seigneur, qu'est-ce que vous croyez être? Des serins réfléchiraient mieux que vous. Je vais vous dire une bonne chose. Ce garçon est 10 fois plus intelligent que vous tous réunis. Je vais faire tenir une chambre à l'hôtel pour vous. Installez-vous. Venez demain me voir à mon bureau. J'y serai à 8 heures. Oui, d'honnêtes gens. Messieurs, voici la grande vedette internationale. C'est la première fois qu'elle vient à Silvertown. Lola. Ça coûterait cher une demi-heure d'amour. Mais enfin, messieurs! Eh, viens avec moi, Lola. Viens, ma jolie, descends et tu sauras ce que c'est que le paradis. Oh, la pente! $50 pour toute la nuit, ça te suffit? À quoi t'es ici pour ça, pas vrai? Ma jolie. Mais bon Dieu, viens! Allez, viens. Il faut te soigner, tu t'excites trop. Bravo, grand héros. Vraiment bravo. Qu'est-ce que tu dirais d'essayer avec moi? J'adore les coups. Et avec moi, puisque t'as envie de te bagarrer. Laisse. C'est mon affaire. Assez maintenant. Terreur. Sois sage. Ça va, il ne s'est rien passé. Musique. Signez ici, monsieur Novak. J'ai déjà fait monter votre valise dans votre chambre. Pourrais-je avoir un bain? Qu'est-ce que vous voulez? Un bain très chaud. Vous devez faire erreur. Ici, ce n'est qu'un hôtel, mon cher monsieur. Mon ami en voudrait un aussi. Oh, celui-là. Un bain ne lui suffirait pas. Moi, je veux dormir, rien d'autre. Je regrette, l'hôtel est complet. Pourquoi vous ne couchez pas dans la chambre avec lui? Le lit est grand. Arrangez-vous. D'accord, je veux bien. Alors, signez ici. Allons.
grosse insomnie. Et vous? Tu fumes? Monsieur Cudley. Je te l'ai déjà dit, pas de monsieur. Oui, entendu. Écoute, je n'ai pas l'intention de te vexer. Mais je suis un grand garçon, alors ne reste pas tout le temps derrière moi. Je sais, je sais. N'empêche que t'as l'air d'être un jeune chiot et que t'as besoin qu'on t'aide. Mais ne t'avise pas de faire le rigolo, je n'aime pas du tout qu'on se fiche de moi. Fais attention. Allez, doucement, cassez rien. L'orgue de l'église a besoin d'être réparé. Demain, je l'envoie à Greenstone. Si vous y allez aussi avec le chariot, shérif, vous pourriez prendre la paye des ouvriers. Entendu, monsieur Cooper. Bon, alors je vais télégraphier pour que l'argent soit prêt. Bonjour, monsieur Cooper. Monsieur. John Ferguson, notre shérif, monsieur Novak. Enchanté. Avez-vous des nouvelles à propos du vol d'hier? Non, mais on peut être sûr que ce vol a été commis par un bandit très habile. Dès que son coup a été fait, je pense qu'il a quitté le pays. À présent, il doit être loin. Inutile d'avoir des illusions, on ne le retrouvera jamais. Bon, allons à la mine plutôt que d'épiloguer. Il est temps de commencer à travailler, monsieur Novak. Merci pour le voyage de demain, shérif. Il a un magnifique nom, Jules César. Il est issu d'un père qui a également un beau nom, Charlemagne. Sa mère, c'est la grande Catherine. Tous des champions des écuries du duc de Gloucester. Un cheval qui a autant de qualités que lui, il n'y en a pas dans tout l'Ouest. Qu'est-ce qu'il coûte? Quoi? Je le veux. Tu veux acheter ce cheval? Oui. Enlève-toi cette idée de la tête. Tu vois un Jules César monté par un pouilleux? Et lorsqu'ils furent tous autour de lui, il prit les pains et les poissons et commença à les distribuer. Ainsi, par milliers, ils étaient rassemblés autour de lui. Et lorsque le ciel commença à devenir pourpre et que le soleil descendit vers l'horizon, ils eurent faim. Il lut la faim dans le regard d'un enfant du peuple, d'un enfant à la chevelure rousse, au visage couvert de taches de rousseur, comme toi. Et il lui dit, va maintenant, distribue les pains et les poissons. Et alors? Tous ceux qui étaient venus là s'assirent en cercle silencieusement. Soudain, les harmonies d'une suave musique descendirent du ciel sur la foule étonnée. Et sachez qu'au son de cette musique suave, on vit les quelques poissons et les quelques pains se multiplier. Et il y en eut pour tous. Ah! Et les enfants surtout se rassasièrent. C'est avec ce chariot que le shérif va demain à Greenstone. C'est dedans qu'il ramène la paye pour les mineurs, si la paix arrive. Cutlip, c'est la main de l'aveugle destin. Une autre mallette où s'entasseront des billets voyagera dans ce chariot. Et alors? Ben, nous pensions que... Non. Pourquoi? Parce que le shérif s'est tiré. Je tire assez bien. Ne crains pas la mort, car c'est elle qui libère le pêcheur. Et sois persuadé que le shérif est un pêcheur invétéré. Voilà du nouveau. Alors si je comprends bien, tu voudrais qu'on massacre le shérif et les convoyeurs. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous qui sommes d'honnêtes voleurs, nous devenons des assassins recherchés par tous les policiers de l'État. Pas du tout. Mais voulons-nous cet argent, oui ou non? Oui. Malheureusement, il arrive qu'on ne puisse se rendre maître de la situation et qu'un ou deux pêcheurs soient atteints par une balle. Très juste. Nous devons être très prudents et ne pas nous trouver sur le trajet de cette balle. Très juste. Nous avons le bonheur d'avoir 12 000 dollars. En ajoutant 12 000 autres, ça ferait 24. Nous pourrions partir vers d'autres cieux et un autre état. Et amen, alléluia, mes chers frères. Tu penses qu'on peut faire ça? Ainsi que dit le prophète, prends avec audace et on te donnera. Mais alors, si le prophète le dit. Bonjour, monsieur Novak. On vous a rien volé aujourd'hui? Fiche le camp, imbécile. C'est curieux, tout de même.
Pas un seul suspect. Ni d'indice. Hélas, non. C'est un fait. Monsieur Cooper. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Cooper. Merci, Sally. Je vais aller à Greenstone avec le shérif. Vous avez une idée? J'aurai sans doute besoin de vous pour convaincre Cooper. À votre service. Excusez-moi, monsieur Cooper. Davidson et moi, on voudrait vous dire quelque chose. Vieni, andiamo dentro. Ecco. Se non mi succederanno altri guai, questo qui sarà il mio ufficio. Non è gran cosa, ma c'è dentro tutto quello che m'occorre. Allora, che volevi dirmi? Che me ne vado. Non mi piace questo posto. E poi bisogna che trovi il sistema per rimediare un altro cavallo. Dove vai? A Greenstone? Buona fortuna, Ben. Aspetta un po'. Posso trovarti il modo di comprare un cavallo. Anch'io parto domani. Vieni con me. Vado a Greenstone. Che vai a fare a Greenstone? Lo sceriffo va a ritirare le paghe e io ho la sensazione che quelli che hanno fatto il primo colpo ne tenteranno un altro. Ho una mia idea. E io a che ti servo? Tu invece sei proprio quello che ci vuole. Sai maneggiare la pistola bene, sei pratico dei luoghi, sei furbo. No. Tu va per la tua strada. E io per la mia. Addio, Ben. Io trovo riprovevole che le armi siano vendute così alla leggera a chiunque per denaro. Ma signore, esse sono necessarie per la difesa? In un'arma c'è sempre un'offesa, mio caro fratello, specialmente se non è in mano a un uomo giusto. E se fosse per me farei togliere dalla circolazione tutti i proiettili. Dovremmo seguire sempre i sacri testi. Leggiamo la scrittura. Piomba come la folgore sui tuoi nemici e distruggili in nome del Signore. Sarai benedetto. Con le munizioni siamo a posto. Portafoglio soffiato a quel corruttore. È abbastanza pesante. Però ci vorrebbero i fucili. Ho già visto dove possiamo procurarceli stanotte. E i cavalli, domani. Ne ho visti alcuni molto belli. No. Come facciamo senza cavalli? No. No a tutto il piano. Che cosa vuoi dire? Non se ne fa niente. Niente di niente. Ma per quale motivo, così all'ultimo momento? Ho cambiato idea e basta, la cosa non mi piace. Io lo so che cos'hai. Ti stai rammollendo. Sai benissimo che non è vero. Non voglio uccidere. Ma diventeremo ricchi, Cad. E con questo? Lo sai meglio di noi cosa vuol dire. Vita da signori. Mangiate, bevute, femmine. Cavalli puro sangue, quanti ne vuoi. Cad, come puoi ancora dire no? Per l'inferno no. Molto bene, amico. Abbiamo capito che dici no. E allora noi ti diciamo addio. Ora portaci dove hai nascosto quella borsa. E dacci la nostra parte. Che hai detto? Portaci dove sta la borsa e dacci la nostra parte. La borsa. La borsa. Pezzo di imbecille che sono. La borsa. Cosa ti prende ora? Cosa? Semplice. Io adopero il cervello invece delle armi. Domani si va a Greenstone.
paix soit avec toi. Merci beaucoup. Et que les affaires soient bonnes. C'est une chance que vous soyez là, parce qu'autrement, j'étais bien ennuyée. Je me demande ce que vous deviendriez si nous n'étions pas là. Vous êtes toutes pareilles. Alors, est-ce que tout est arrangé? Oui, la somme volée était assurée. Tout est réglé. Oh, je suis contente. Vite! Gagnez votre journée. Entendu, chérie. Donnez-moi ça, je m'occupe de... Allons-y, honte! Hey. Tu es prêt? Oui, oui. Allez, protège-vous, vite! Allez, Attendez, vous restez en arrière. Pousse dedans, Vous aussi, faites vite. C'est vous. Attention. C'est fait. Qui sait attendre n'est jamais déçu. Dépêchons-nous. Oui, tout de suite. Un joli coup, hein? Où sont-ils? Je n'en vois aucun. Pour moi, ces types ont eu peur, ils t'ont filé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être de vrais bandits. Quoi? De vrais bandits? Pour vous dire la vérité, il m'arrive de chasser, mais ça, c'est du gros gibier. Donnez, je vais essayer. Thank you.
Pourquoi est-ce qu'il faut s'arrêter? Un peu plus et on réussissait. Si on continuait, on serait tous massacrés. T'as vu, ça tirait de tous les côtés. Et tu crois que Burton va aimer ça? Gaïmar, on aurait eu beaucoup de tués. Et Burton n'aime pas non plus qu'on perde trop d'hommes. Hey, Kev, une chance que nous passions par là. Oui, c'est une grande chance. Suivez-nous, car où il reviendrait. On l'a sauvé. Sally! Papa! Le shérif. Papa! Tu n'as pas de mal, tu n'as rien à pitié. Tu es super pour toi. Qu'est-il arrivé, Norvage? Les bandits, Monsieur Cooper. Malheureusement, le conducteur a été tué. Le shérif est gravement atteint. Si nous avons réussi à nous en tirer, c'est bien grâce à Cudlip. Et à ces deux hommes-là. Hé, hey, vous, où est-ce que vous allez? Vous n'en allez pas. Venez par ici. Je veux que tout le monde sache ce qu'ils ont fait pour nous. C'est grâce à eux que nous avons pu nous échapper et sauver votre paye. C'est vrai, et s'il n'y avait pas eu Monsieur Cudlip, les enfants, non seulement votre paye se serait envolée, mais vous auriez perdu la meilleure cuisinière du monde. Oh, bravo, Cudlip! Heureusement que tu étais là! Et vous savez, je m'en souviendrai toujours. Cette fois, vous l'avez sauvé. Mais elle est vide! C'est possible! Ils sont pour faire voler deux fois, on veut notre paye! J'oubliais de vous dire, Monsieur Cooper, avec tous ces bandits qui rôdent dans la région ces temps-ci, j'ai préféré prendre quelques précautions. Bravo, Cudlip. Pierre Malin. Merci, Cudlip. Merci. Bravo. Ainsi que vous le voyez, tous les dollars sont là, Monsieur Cooper. 12 000 exactement.
Eh bien, l'argent. Où est l'argent? Ça n'a pas bien marché. Pourquoi ça n'a pas bien marché? Parce que, pour te dire, on n'a pas réussi à arrêter le chariot. Comment ça? Vous étiez je ne sais combien et vous aviez l'avantage de la surprise. On a eu la déveine de tomber sur des tireurs exceptionnels. Des tireurs exceptionnels? Vous avez fait à votre idée, vous n'avez fait que des bêtises. Gare à celui qui recommencera ses sottises. Je vous laisse encore une chance, mais c'est la dernière. Si vous ratez votre coup, je ne vous raterai pas, moi. Prenez trois hommes et allez à Silvertown. Renseignez-vous bien et tâchez de savoir où et quand on transporte l'argent de la mine. Je veux avoir cet argent. Cad, abbiamo qualcosa da dirti. Non ne possiamo proprio fare a meno. Che cos'è? Brutte notizie. Proprio brutte. È un fatto molto triste. Quale? Non volevo dirtelo. Diventiamo vecchi. È così, vecchi. Suonati. Rammolliti. Ma che cavolo state dicendo? Se non è vero, che cosa ci stiamo a fare in questo dannato paese che oltretutto ci porta iella? Già, qui non ci è andato bene niente. È presto per dirlo. Non vedi che non ridiamo più? Siamo onesti cittadini. Ah, che schifo. Addio, cavalli fuggenti. Bestiame rubato e subito venduto da un paese all'altro. Evasioni, risse, puttane. Addio. Ah, ho capito. Volete andarvene? Oh, no! Vogliamo stare qui. Mettere su casa. Andare in chiesa, trovare lavoro. Magari in miniera. È quello che abbiamo sempre sognato, non è vero, Cad? Proprio così stiamo mettendo su radici. Faremmo meglio ad andarcene. Domani? Oggi ti andrebbe? Certo. Cad, non vuoi salutare qualcuno? No. Meglio che ce ne andiamo subito. Non pensiamoci più. Les lingots d'argent. Allons voir du côté de la mine, on sait jamais, ça peut être intéressant. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Excusez-nous, nous passions dans le coin, nous avons dû faire erreur. Vous savez, ici, toutes les routes se ressemblent. On reste un instant et on s'en va. Ce n'est pas facile de venir à la mine par erreur. La route est très bien indiquée. Puisqu'on te dit qu'on s'est trompé de chemin, mignonne. Denholm, sois gentil et on part tout de suite. Que voulez-vous? Papa! Papa! Papa, au secours! Ne gueule pas comme ça, chérie. Tu cherches des ennuis? Je vous défends de me toucher! Doucement, mon vieux. Je lui ferai pas de mal. Attention, papa! Je vous ordonne de sortir tout de suite. Excusez-nous, monsieur. Il y a un malentendu. Mais nous nous en allons. Papa! Papa! Oh, mon Dieu! Bande de lâches! Bande de lâches! C'est dangereux de rester par ici. Venez, filons en vitesse. Non, il n'en est pas question. Je reste, je commence à rigoler. Filez sans moi. Partez. Faites ce que votre ami vous dit, c'est préférable. Pourquoi? Et si je préfère rester, qu'est-ce que tu fais? Nous avons très peur, t'as l'air si en colère. C'est vrai, je grelotte rien qu'en le regardant. Je vous félicite. C'est facile d'être courageux dans une bagarre où on est 5 contre 1. C'est très facile. Ah non, tu fais erreur. Pourquoi tu nous dis des choses désagréables? Nous, nous sommes des gars réguliers. Un à la fois. Voyons, qui est-ce qui va commencer? À toi.
restez pas là. Maintenant, assez. Joli travail. Arrêtons, ça suffit. Non, non, non. Je n'aime pas faire du mal. Ennuis avec Burton. Partons. Les amis, vous savez, j'ai l'impression que les poulets volés ont toujours meilleur goût que ceux qu'on paye. Oui, oui, tu as raison. Ce que nous avons mangé à Silvertown était fade et coriace. Tout était fade et coriace. Je vous jure, je ne regrette pas d'avoir quitté ce tas des pays. Ah, on n'a pas eu de chance. Seule la cuisinière était appétissante. Hein? J'ai pas raison. Si. Ah oui. Hein? Allons jeter un coup d'œil. Salut les amis. Ça sent bon le poulet rôti. Merci. Figurez-vous que je l'ai fait cuire à la façon de ma grand-mère, une cuisinière à l'ancienne mode. Oh, moi je dis toujours que nos grands-mères savaient cuisiner. Ça me fait gros cœur, les gars. Mais j'ai l'impression que ce soir, vous irez au lit le ventre creux. J'ai peur qu'il ne vous reste que de la peau et des os. Ainsi le veut la divine justice. Nous sommes des pécheurs, de méchants enfants, et le Seigneur nous punit. Installez-vous tous et ne vous occupez de rien. L'hospitalité est le devoir le plus sacré à nos yeux. Ce sera un honneur de vous servir. Oh, un grand honneur. Allez, Kurt, passe-moi vite un tabouret. Ah. Tiens, voilà. ils sont juste à point. Vous êtes chez vous, messieurs. Croyez que nous sommes dévoués à vos ordres. Merci. Je vous en prie. À table, les amis. Installez-vous confortablement. Ah. On avait faim. Heureusement que nous les avons rencontrés. On doit les emmener comme cuisiniers. Ils sont un peu bêtes, mais sympathiques. Excusez-moi, messieurs. Mais pour toutes nos bonnes œuvres, nous allons faire la quête. L'Évangile nous apprend que mieux vaut donner que recevoir, mon très cher frère. Toi qui as su donner, si tu mourrais maintenant, tu connaîtrais la béatitude éternelle. Merci, mon ami. Bon voyage. Oust, l'argent, le vil argent est toujours la source de nos embarras. C'est mieux de le perdre. D'où tiens-tu ça? C'est à moi. Où l'as-tu volé? Je l'ai trouvé. Ça fait mal? Non. C'est grave, docteur. Non. Non, je ne vois rien d'alarmant. Il s'en tirera très bien. C'est pas grave, non? Non, non. À mon avis, nous devons prendre immédiatement des dispositions. Je crains que le shérif ne soit très handicapé durant quelque temps. Je suis inquiet, Novak. Moi aussi. Ces canailles feraient n'importe quoi.
Mais ils ont l'air d'être supérieurement organisés. C'est à toi. Tu vois, tu ferais bien de m'écouter et de ne pas te promener sans une arme. Venez par là. Vous connaissez ces deux-là? Oui, ils étaient de la bande. Félicitations, Kedlip. Vous êtes un homme précieux dans les coups durs. Ked, conduis ces bandits au shérif. En avant. Dire que ce garçon va trop loin. Il est sur une fâcheuse pente, malheureusement. Cette fois, vous ne vous en sortirez pas. Agression. Attaque à main armée. Tentative de viol. Et quantité d'autres méfaits dont vous aurez à rendre compte. Enfermez ces bandits. Les par ici. Monsieur Cooper, savez-vous de quelle bande sont ces gars-là? La bande à Burton. C'est très inquiétant. Je n'aime pas du tout les savoir dans le coin. À votre avis, que faut-il faire? Eh bien, je ne vais pas pouvoir exercer mes fonctions ces jours-ci. Je ne vois qu'une seule solution raisonnable actuellement. Confier le soin de me remplacer pendant quelque temps à celui qui a prouvé ses capacités ces jours derniers. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Monsieur Cooper, la seule personne digne d'exercer la fonction de shérif, c'est notre cher Cudley. Je n'en crois pas mes oreilles. Vous êtes tous devenus fous? C'est vraiment scandaleux. L'étoile de shérif à ce vagabond, cette espèce d'aventurier? Ah! Cud, acceptez, ce sera une faveur que vous me ferez. Tout Silvertown vous dira merci, Cudlip. Allons, vas-y. Accroche cette étoile. Hein? Peux-tu me dire ce que tu trouves drôle dans cette situation honorifique? Écoute, Ben, est-ce que tu te rends compte? Ah si, je t'assure que je me rends compte. Je me rends compte que tu es vêtu de haillons dégoûtants et que si tu fais un travail sérieux, tu auras de quoi t'habiller. Mais tu es un homme affranchi. Je me rends compte que tu n'as jamais eu de foyer et que tu ne sais jamais si tu mangeras le soir. Mais tu es un homme affranchi. Je me rends compte que tu n'as plus tes 20 ans et que bientôt l'arthritisme t'empêchera d'aller à cheval. Et aussi d'appuyer sur la détente de ton revolver. Tu te feras ridiculiser et rosser par le dernier des blancs-becs. Mais tu es un homme affranchi. Je me rends compte que le peu de cervelle que tu as, tu t'en es servi toute ton existence pour vivre d'expédients. Mais tu es un homme libre et affranchi. Et aujourd'hui qu'une occasion digne d'intérêt s'offre à toi, tu n'as pas la moindre réaction. Et ça t'est tout à fait égal qu'on pense du bien de toi. Tu te moques d'avoir enfin l'occasion de te rendre utile. Va au diable et reste-y. Mais pourquoi est-ce que tu prends le mort aux dents? Je réfléchis, j'accepte. Seulement, il y a une condition. Quelle condition? Je veux avoir Jules. Pouvons-nous suivre votre honneur? Oui, venez. À la mine. Je vous envoie chercher des renseignements sur le chargement d'argent. Et que faites-vous, imbécile? Vous vous faites corriger désarmer comme des apprentis. Je ne regrette qu'une chose, c'est que vous n'ayez pas été tous descendus. Alors, c'est compris, on ne fait plus d'erreur. Maintenant, nous agissons. Je veux les lingots d'argent et je les aurai. L'argent est fondu en lingots ici même, dans la mine. Chaque jour, les lingots sont transportés dans notre dépôt de Silvertown. Et de là, chaque mois, à notre siège de Greenstone.
Jusqu'à présent, le shérif assurait la sécurité du transport, accompagné de deux convoyeurs. Maintenant, c'est vous qui en serez chargé, mon cher Cadlip. Ça ne vous fait pas peur? Ça a l'air assez facile. Oh, pas si facile que cela. Jusqu'ici, nous n'avons jamais eu d'ennui de ce côté, mais malheureusement, cet an dernier, il s'est passé des choses bizarres et inquiétantes par ici. Il serait bon de prendre quelques précautions. Soyez tranquille. Bien, shérif. Ceci réglé, allons boire à votre étoile. Se t'avessero detto che un giorno il tuo miglior amico sarebbe diventato sceriffo, ci avresti creduto? Avrei fatto a pezzi chi mi avesse detto una simile cosa. Proprio questo è il bello della vita. La cosa succede, però tu ti rendi conto che anche un amico sceriffo può esserti molto utile. Ricorda il proverbio che dice: se un amico diletto fa carriera, tu devi essere molto contento, perché dal fondo della miniera ti arriverà un bel mucchio d'argento. Permesso? Oh, Cadlip! Vous déjeunez avec nous, shérif? Shérif? On ne devient pas si facilement un shérif. Mais si, tu t'en tires très bien, tu as déjà une grande réputation. Hein, Cadlip? C'est une réputation bonne ou mauvaise? Alors, est-ce que vous voulez déjeuner? Non, je dois rentrer en ville. Je ne fais pas ce que je veux maintenant. Eh bien, dépêchez-vous de revenir. En votre honneur, je préparerai quelque chose de très spécial. Ne salez pas trop, surtout. Oh, sale individu. Sally. C'est une vraie jeune fille. Tu sais à quoi je pense, Cad. Tu aurais besoin de te récurer des pieds à la tête. Tu laisses un peu à désirer sur le chapitre de la coquetterie. Oh, cette musique, mes insurdines! Vas-y, mon ami Samson, secoue les énormes piliers du temple de la loi, secoue ces piliers pour qu'ils s'effondrent et ensevelis-toi avec les Philistins. Si je réussis à sortir de prison, je te tue, je te jure que je te mets en l'air. Demain va commencer la grande fête de Silvertown. Il y aura beaucoup de chahuts et de remue-ménage. Il y aura des marchés, des salles de danse, du whisky à gogo et probablement des quantités de gens qui arriveront de partout. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus, vous voyez ça d'ici. Et les gars malins auront des tas d'occasions. Dieu en soit loué. Cette fois, ce ne sera plus du tout la même chose. Je ne veux pas qu'on vole quoi que ce soit, vous entendez? T'es fâché, on t'a fait quelque chose, Cut? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas du tout question de ça. Mais je dois faire mon devoir de shérif et je le ferai. Vu? Hein? Et ce costume, qu'en dites-vous? Mon vieux, c'est de l'article riche. Là-dedans, t'as l'air d'être une... Allez, au coin, vous autres. Allez! Encore une petite chose. Jeudi prochain, c'est le 28. Des gardes fédéraux vont venir le matin pour escorter les lingots d'argent qui iront à Greenstone. Pourquoi est-ce que tu nous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? À cause des gardes fédéraux, je ne voudrais pas qu'ils vous reconnaissent. Je vous demande de faire très attention. Dis donc, le chargement, il vaut combien? Je crois qu'il vaut 100 000 dollars ou quelque chose de ce genre. Oh! Les nouvelles méthodes de Novak donnent de bons résultats, on dirait. Bravo, garçon, c'est très cher, Novak. Oh, par toutes les puissances du ciel, 100 000 dollars, c'est une somme si élevée qu'elle ferait rêver Dieu le Père. On peut tout faire avec 100 000 dollars.
On peut tout faire, toutes les sottises, sans aucune exception, Cudlip. J'ai connu dans le temps un gars qui s'était acheté un carrosse tout en or et il voyageait avec toute une cargaison de très jolies femmes. On s'achèterait un costume aussi chic que le tien. Ce n'est pas trop tôt, tu viens enfin de t'apercevoir que je suis élégant. Merci. Vous en faites pas, il va y avoir du nouveau. Du nouveau? Quand ça? T'inquiète pas, aie confiance en Burton. È bella questa casa. È molto semplice, ma è comoda. E quando... Sì, dico, quando uno non è più tanto giovane, fa piacere vivere in una casa così. Fa piacere anche a noi giovani, sapete. Ah, ma io non mi sento tanto fate vecchio. Spazio. Dicevo... Quello. Ah. Grazie. Io non mi sento vecchio affatto. Credo di avere l'età giusta. Zucchero? Sì, grazie. Quanto? Oh. Ecco. Vengo subito a farvi compagnia. Come si dice da noi, la gioventù è per farsi un'esperienza, e poi la maturità è per farsi una posizione. È sbagliato? Affatto, Cad. Siete già sceriffo e qui si vive bene. Silvertown diventerà sempre più grande, più importante. Cadlip, sentite, domani vado a provare il coro. Volete accompagnarmi a Silvertown? È festa. Domani. Demain, c'est la fête à Silvertown. Comme vous pensez, il y a beaucoup de monde ce jour-là. Conditions très favorables pour nous saisir de l'argent. Il n'y aura aucune difficulté, j'ai tout prévu. Regardez, c'est le plan du centre de Silvertown. À cet endroit se trouve l'église. Et ici, c'est la place. C'est là, en général, que se réunissent les gens les jours de fête. Dell'argento, mi sento tutto uno strano rimescolio. Chi lo sa perché? L'uomo perde il senno per l'argento e così corre dritto alla sua rovina. Bibbia? Certo, è la Bibbia. Invece noi stiamo correndo il rischio di non perdere il senno, ma proprio l'argento. Ah, brutto rischio questo. Bruttissimo rischio. Sally, je me sens différent des autres jours aujourd'hui. C'est compréhensible. Quantité de choses ont changé pour vous ces temps-ci. Vous êtes un citoyen très affluent, vous avez la cote d'amour, les gens ont confiance en vous. Je dois vous dire que ça m'étonne beaucoup. Ça n'a rien d'étonnant, ce n'est que juste. Sally, je voudrais...
Vous le voyez, je suis assez empoté dans ce genre de choses. Je suis même tout à fait idiot. Je ne sais pas de quelle façon vous le dire. Je crois que le mieux est d'être franc. La vérité, c'est que vous me plaisez, Sally. Excusez si j'insiste. J'ai besoin de savoir. Il faut que je sache tout de suite. Cad, restons bons amis, voulez-vous? Bons amis. Merci. Monsieur? Moi, mais je... Oh, venez donc. Non, on ne travaille pas aujourd'hui. Ils sont tous à la fête de Silvertown.
Est-ce que le shérif est là? Oui. Qui es-tu et que me veux-tu? Je m'appelle Burton. Mes hommes viennent de prendre comme otage tous les gens qui se trouvent dans l'église. Si vous voulez les revoir vivants, vous devez me remettre tout de suite. Je répète, tout de suite. Tous les lingots d'argent qui sont à l'heure actuelle dans le dépôt et sans nous opposer aucune résistance. Si vous refusez, toutes les 5 minutes, nous tuerons sans pitié un de nos otages et je n'épargnerai personne. Tu as compris? Tu as 5 minutes pour te décider. Allez chercher les lingots d'argent. Il n'en est absolument pas question. Quand il s'agit des lingots, c'est moi et moi seul qui donne des ordres. Vous m'entendez? Je vous interdis d'y toucher. Ils doivent rester ici. Tuera les otages si nous ne faisons pas ce qu'il nous a dit. Je suis sûr qu'il ne tuera personne. Ces bandits réfléchiront avant de faire une telle sottise. Ils savent que ça déclencherait immédiatement l'intervention des troupes fédérales. Si vous ne voulez pas avoir le meurtre des otages sur la conscience, donnez tout de suite les lingots. Il n'est plus question d'hésiter. Décidez-vous. Cooper, les minutes passent. Monsieur Cooper. Monsieur Cooper. Ma fille est dans l'église. Les femmes et les enfants de tous ces hommes y sont. Est-ce que vous oseriez prendre une aussi grande responsabilité? Monsieur Cooper, je vous en prie, réfléchissez encore. Hé, regardez. Chargez les lingots immédiatement. Au nom du Seigneur, je vous conjure d'épargner ces innocents. Non, 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 je ne veux pas.
y a un homme qui vient. Attends. Eh bien, ces lingots, ils arrivent. Je crois pas que tu pourras te moquer de moi. Où sont-ils? Attends, on te les apporte. Mais pas tous en une seule fois. Pour avoir une caisse, il faudra que tu relâches un otage. Pourquoi? Est-ce que tu cherches à gagner du temps? Je n'ai pas confiance en toi, mais j'ai la responsabilité de ces gens. Toi, tu auras des caisses d'argent. Et de cette façon, on t'oblige à tenir parole. Ça me paraît juste. D'accord. Et toi, tu me rends les deux gars que tu as arrêtés. À une condition. Tu relâches d'abord Sally Davidson. Entendu. Allez, vite, vite. Voilà le shérif. Eh bien, tout est arrangé. Il nous rendra un des otages contre chaque caisse de lingots d'argent. Sally sera libérée la première. Mais toi, gagne le plus de temps possible en apportant les caisses, compris? J'essaierai. Tu as une idée? Que penses-tu faire? Mais arrêter sur la route. Il y a gros à parier que Burton ira droit vers la frontière. En effet. Mais une seule route, il va directement. Celle qui longe la mine du côté du sud. Et nous y serons. Qui veut venir avec nous? Moi. Moi. Shérif. Moi. Moi aussi. Moi. Merci, les amis. Allons-y. Contrôle les caisses. Papa! Sally! Papa! Oh. Sally! Papa. Sally, calme-toi, c'est fini maintenant. Tu n'as plus rien à craindre, tu es sauvée, grâce à Dieu. Ils ne peuvent plus rien te faire, absolument plus rien, ma chérie. Allons, calme-toi, calme-toi. La pauvre Betty, ils ont osé la tuer. J'étais à côté d'elle. Nous la vengerons, nous leur ferons payer ça. Oh, Seigneur, Seigneur, que va-t-il arriver encore? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Affiche-moi la paix. Pas maintenant. Arrête. Entendu. Écoute-moi. Il faut que je te dise quelque chose. À quelle distance peuvent-ils être? Environ 500 mètres. Vas-y! Thank you.
camion et file avec le chargement. Nous avons une petite chance de passer si nous arrivons à neutraliser cette canaille. Tâche de le prendre à revers. Bien abrité dans les rochers. Allez, viens par ici. Si je me mets dans un wagonnet, j'avancerai sans être vu. Et de cette façon, je serai dans leur dos avant qu'ils comprennent. Entendu. J'ai une meilleure idée. Attends. Méfiez-vous, il serait facile de cacher un homme là-dedans. S'il se laisse avoir, après tu pourras y aller tranquillement. De la dynamite là-dedans.
Attention! Prends ça et donne-moi ton revolver. On finit avec eux. Venez, venez. Attendez, attendez. Burton est difficile à voir où il est. Il faudrait trouver un moyen de le faire descendre de là. Il est tout seul là-bas maintenant. Oui, il faut qu'on trouve quelque chose. Couvre-moi, je vais essayer. Bon. Les morts s'en tireraient entre eux. Amen. Bon. Eh bien, je vais chercher le chariot maintenant. Je cueille là où jamais je n'ai semé et je moissonne là où je n'ai jamais labouré. Évangile selon saint Luc. Ça faisait des jours et des nuits que je n'arrêtais pas de me creuser la tête pour savoir comment cueillir ces lingots d'argent. Et quand je commençais à me désespérer, les voilà qui tombent entre nos mains. Il ne nous reste plus qu'à sauter en selle et à les emporter. Mes frères, une longue vie paradisiaque nous attend. Tu veux le dire à ton ami ? Oui, je dois le faire. Ben! Bon, voilà. Qu'y a-t-il? J'ai à te parler. Qu'est-ce qu'il te prend? Cher Novak de mon cœur, nous trois, nous prenons les lingots de la mine et nous disparaissons à l'horizon. Comment? La déesse Fortune, dans son aveuglement, est quelquefois juste et elle récompense le travail et le mérite des hommes honnêtes. C'est vrai, Cad? Ah oui. Parfait. Si vous êtes décidé, servez-vous. Mais avant, il faudra me tuer. Si j'étais à ta place, fiston, j'hésiterais à dire une bourde aussi grosse. Je regrette, je vous le redis. Il faudra me tuer avant. S'il n'y a que ça, ça sera vite fait. Non, attends. Ne touche pas à Novak. Qu'est-ce que ça veut dire, mon garçon? Ça veut dire que tu ne dois pas le toucher. Et si je le fais? Tu as deviné. Oh.
Bellic et Dlip, un vieux et fidèle camarade, tu n'oserais... Une question d'amitié, à présent. Voyons, mon cher Kedlip, toute ta vie, tu as été un voleur. Je pense que tu n'as plus d'illusions, c'est un voleur. Nous sommes associés tous les trois pour voler depuis de longues années. Par exemple, est-ce que tu savais que c'est lui, avec nous deux, qui t'a volé la mallette avec l'argent? Tu le savais? Oui. Je le savais. Écoute-moi, j'aimerais bien savoir quelque chose. Es-tu mon frère le voleur? Ou es-tu monsieur le shérif de la ville de Silvertown? Je vais te répondre. Je préférerais être dans la tombe plutôt que d'être forcé d'agir comme je vais le faire. Non, arrête! Il est ton frère. Je regrette que je suis forcé de te tuer.